Et plop les gens, ici Zikino, et on continue le let's play sur Bad Boy pour la chaîne Les Jeux du Cygne. On se remet en jeu tout de suite. J'hésitais à aller voir la taverne Fenki, mais je pense qu'on va juste directement aller au combat. Tournoi. Notre destinée nous attend. Suis-je le seul à en avoir des frissons? Un cochon ailé avec et les chauves-souris battent. Le samouraï, la danseuse, la natation, le hockey sur glace. Il y en avait un, c'était la cour. Niveau footballeur, basketteur, tennis woman. Oh, il y a des dragons qui sortent des murs. D'ailleurs, oui, il y a une. Ah! Voilà. Pourquoi il y a une sauvegarde ici? Faut aller où? La porte. J'ai vu la porte. Oh, salut les filles! Ok, ça va être compliqué. Ils nous mettent le... Là, juste pour qu'on n'ait pas... Oh, il m'embête lui. Juste pour qu'on n'ait pas à revoir à chaque fois. Un pif, pas mal. Oh yeah. Je sais pas si elles ont une vie partagée ou... chacune. Voilà. On avait juste un PV comme la fois d'avant. Et puis il n'y a pas de... On peut pas sortir, ouais.
Ok. Moins bien, mais on se voit vraiment moins bien. Yo, je n'aime pas le dragon, je n'aime pas le dragon, on va faire ça plutôt. Deux points de vie. Et est-ce que correct? Ok. Chaque boss, on peut se soigner. Enfin, j'espère que ça sera chaque boss. Mais... en mode, de... sinon ça va être très compliqué, hein. Rugbyman, c'était celui-là le coureur. Okay. Je pense que ça sera le boss le plus... enfin, l'un des boss les plus simples. Là, vu que je savais pas trop à quoi m'attendre, le... j'ai commencé avec le... peu de vie. Ouverte là, de ce niveau-là encore.
Enfin, c'est vrai que le rugbyman il était compliqué, mais. Il était un peu compliqué. C'est mort déjà, mais bon. Les ballons de rugby, c'était bien quand c'était son mode, quand il n'y avait que lui. Parce que c'est le moment où il reste fixe. Mais maintenant qu'il n'y a pas que lui. Deux d'énergie. Ok, il y en a plus qu'un, mais j'ai plus de vie. Non! Oh yeah, mince. Ok, ça va. Ça fait quoi si on revient en arrière? On peut vraiment revenir en arrière? Non, d'accord, on revient ici. Thank you.
oui, d'accord. Ah si, si, il y avait celui-là qui court vite, j'avais oublié. Je l'avais totalement oublié. Et bah apparemment c'était ce niveau qui était plus simple, j'étais en sueur, mais je l'ai réussi, c'est tout ce qui compte. D'ailleurs j'ai... Oh là là... J'ai pas fait gaffe, mais apparemment ça... pour les niveaux d'avant, mais là j'ai l'impression que ça va être... Samurai Footballer, donc Captain Ace... J'ai oublié le nom du... Shimamiya Shingai. Avec plaisir, un peu de nourriture juste à la fin là. Bon. Du coup, les dragons, c'est pour Lord Vicious. Le footballeur tient pas en place et le samouraï me renvoie ma batte. Du coup, ni l'un ni l'autre, c'est raisonnable de... C'est raisonnable ni pour l'un ni pour l'autre de se dire j'envoie la batte à un endroit et ils vont se la prendre et tout va bien se passer. J'ai un petit snack à la fin, mais c'est plutôt ici qui est problématique. Je l'ai eu aussi. Ah, c'est le boss. Lord Vicious. Waouh. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Où sont mes clones?
Ne leur en veux pas. Ils ont fait de leur mieux. C'est la fin, Lord Vicious. Mon règne de la terreur s'arrête ici. Ah, vraiment? Comme si un pathétique humain pouvait me vaincre. Tu as manipulé mes amis. Kidnappé mon père. Le mal que tu as fait m'a rendu fort et déterminé. Personne ne se battra pour toi. Tu as perdu et tu as maintenant payé pour tes malversations. Comme tu voudras. Je me suis bien amusé avec toi et tes amis. Je suppose que tu as raison, finis de jouer. Montre-moi ce dont tu es capable, qui te rend meilleur que tes amis. Le fait de pouvoir recommencer. J'ai bien renvoyé, mais... M'envoyer la bouche déjà. C'était un peu affreux, mais... C'est quoi ce merde? La balle de basket qui veut pas taper, hein. Oui, j'avais ça. Je me souviens plus comment on envoie la balle de tennis. C'était ça.
J'ai plus de mana, plus d'énergie. Oh non, il lui restait un PV. C'est ça que je voulais. Compliqué ce pattern. Au début j'avais l'impression qu'il me touchait jamais, mais c'est faux. Il a Lord Vicious. Au moins montre-nous ta deuxième phase. Il finit Lord Vicious. Ouais, tu n'es plus le bienvenu à Stratos. On dirait qu'on arrive après la bataille. Ok, tu veux bien. Silence. On est assez de toutes ces gamineries. Je ne vais pas vous laisser me ridiculiser. Oh non, sa puissance dépasse 9000. Ah, oula. À genoux devant Vicious Maximus. La légende, c'est donc vrai. Quelle légende? Les porcinets parlaient d'une divinité qui terrorisait Stratos. Un jour, elle a disparu. Disparu? Ah! À l'hiver. Je me souviens, c'était un jeudi, sur le point de raser un village. C'est là que j'ai vu une bande de gamins qui jouaient avec un genre de... Hey. Ils appellent ça une balle. Ils s'amusaient à se la lancer. Et fasciné. Jamais je n'avais vu un tel sport auparavant. J'ai donc décidé de prendre une autre apparence afin de jouer avec eux. L'apparence miniature que tu avais avant? Silence!
J'ai à peine fini mon introduction. Désolé. J'ai honte d'admettre que j'étais un très mauvais joueur. Si bien que ces insectes se sont mis à rire de moi. Rire de moi, une divinité. Je ne pouvais laisser une bande de gamins me ridiculiser. Mais alors que j'ai voulu reprendre ma vraie forme, je n'ai pas pu. Mon nouveau corps n'était pas assez puissant pour inverser les faits. Je suis donc devenu prisonnier de mon petit corps frêle. Depuis, je me suis attelé à fomenter ma vengeance contre les sportifs. Un passe-temps qui s'est révélé fort divertissant. Et grâce à toi, Bad Boy, je me suis enfin libéré de mes chaînes. C'est à moi ? Toi et ton ami à plumes m'avez ridiculisé comme ces gamins avant vous. Je me sens revivre ce douloureux souvenir. La rage que j'ai ainsi ressentie m'a permis de retrouver ma gloire perdue. On t'a aidé alors, c'est ça ? On est quitte, non ? Et bientôt, la vie. Je vais d'abord m'occuper de ceux qui ont osé se moquer de moi. Je serai bientôt de retour pour profiter de vos derniers jours d'existence. On peut pas les laisser s'en sortir comme ça. Qu'est-ce que tu proposes? Il est bien trop fort maintenant. Boorman. Oui. Boorman, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux pas savoir comment ça fait plaisir de revoir mon sauveur. La taverne Funky revit. Je t'en dois une belle, ami. Tu ne nous dois rien. On adore cet endroit. Trop tard. Je vous ai déjà préparé des boissons. À votre santé. D'habitude, on trinque après avoir trinqué pendant le combat. Boissons vont vous donner des ailes. J'ai des ailes. Apparemment, je ne t'ai pas attendu pour boire. Bien vu. Alors, elles les rendront plus puissantes. Enfin, tu verras. Je verrai quoi? On n'a pas le choix, Vicious, c'est trop dangereux. D'accord, d'accord. Et si j'en perds mes plumes, je vous tiendrai pour responsable. C'est pas si mal, en vrai. Qu'est-ce que... Ichi, tu as grandi? J'ai pris de l'envergure! Allez, Bad Boy! Allons convaincre ce taré! Yosuke, tu peux le faire. Montre à ce Vicious qui est le meilleur. Monte là-dessus. On sera de retour dans, en un rien de temps. Allons-y! Ah! La suite. Ça marche ici. J'ai l'impression qu'on lui fait pas mal de dégâts en fait. On est dans un plus ou moins safe spot qui est pas très safe, mais que on lui fait des dégâts que quand on lui envoie des choses. Ok. Quoi? Ouais.
Je crois que... Oh, j'ai le succès. C'est pas je crois, c'est que j'ai réussi à le battre, mais je suis mort en même temps. Juste avant, on va dire. Un peu les yeux. Ils auraient pu enlever la pluie, ça aurait été mieux. Je sais pas trop comment les... Ça ne fait pas de dégâts à la batte. Ok. C'est gratuit, c'est moi le produit. Les balles de tennis parce que même si elles rebondissent un peu, je sais pas si j'aime ça ou pas. J'ai l'impression que ça c'est gratuitement et... Il peut m'avoir. Attendez. Je crois que j'ai compris comment ils marchent, les éventails. Je vais bien... Voilà, je bouge en fait. J'ai bien cru comprendre que... Je pouvais lui faire plein de dégâts, les éventails. Impossible. Il est... Oh non, encore mon magnifique corps. Je vais pouvoir m'en quitter. Oh, c'est vous. Pardonnez-moi, je vous en prie, je ne vous causerai plus d'ennui. Hein ?
J'ai compris la leçon cette fois. Je le jure. Je m'attendais. Garou, tu penses qu'on peut lui faire confiance? Absolument pas. Je vous en supplie. Vous voyez bien que je n'ai aucun pouvoir. La seule chose que je puisse faire, c'est vous renvoyer dans votre dimension. Sans ses pouvoirs, c'est juste une poule mouillée. Marché conclu, Lord Vicious, mais qu'on n'entende plus jamais parler de toi. Sinon, ma patte se chargera de te renvoyer droit dans ta dimension. Sérieux ? Je veux dire, merci, bad boy. Tu ne le regretteras pas. Tu es sûr de ton coup, là, bad boy, après tout ce qu'il a fait ? Voyons, Garou. Ça ne devrait pas te surprendre. Tout le monde a droit à une seconde chance. Et apprendre de ses erreurs. T'entends ça, Lord Vicious? On dirait que des sbires sont au courant pour la perte de tes pouvoirs. Ils veulent sûrement te remercier pour toutes ces années de torture. Attendez, quoi? Allez! Amuse-toi bien. Allons chercher les autres. Il est l'heure de rentrer chez nous. D'accord, mais il y a un truc qui me chiffonne. J'ai l'impression que la boisson ne fait plus effet. Toutes les bonnes choses ont une fin, hein? Te consoler, dis-toi que Starlet Twirl te préfère sûrement comme ça, Pichy. Ah ah, très drôle. Allons-y. Un mois plus tard. Mesdames et messieurs, le prochain match déterminera si l'équipe de Scarlet Crow remportera le trophée cette année. J'ai le trac. Il y en a qui clament, non, mon nom. Mes parents et mes amis sont venus pour me soutenir. Je ne peux pas échouer. Donc fini. Jeu de base, le in-run. Donc je vous rappelle que le jeu a aussi un mode speedrun. Je sais qu'il y a quelques speedrunners qui sont dessus, il y a quelques speedruns qui se font dessus. Le jeu est apprécié. Oh, il y a... Ah non, c'est les super backers. En mode, il n'y a pas beaucoup de backers. D'habitude, ils en demandent beaucoup. Il y a Matt, backer. Un avec une minuscule, l'autre avec une majuscule. Il y en a certains qui ont de leur nom. Ah, voilà, il y a forcément beaucoup plus de gens qui doivent donner des sous pour que l'équipe de développement puisse arriver à la fin du. À sortir le jeu, quoi. Tout simplement. En tout cas, j'espère que cette première run, on va dire, du let's play vous a plu. Je vais voir si j'essaie de faire 100%. Ça va être surtout en fonction de ma motivation perso. Voilà. Mode speedrun plus. Débloqué. Je sais que c'est le mode speedrun plus. Donc normal, le mode de jeu basique, recommandé pour une première partie. Speedrun, un chronomètre s'affiche et tous les dialogues et cinématiques sont passés, donc ça j'avais vu. Ça n'est plus comme speedrun, mais toutes les compétences sont débloquées et les PV peuvent être utilisés comme de l'endurance.
D'accord, donc c'est... Oui, c'est... J'en ai marre de refaire le jeu et de gagner les compétences petit à petit, je veux mes compétences tout de suite. Et je veux que les PV, utiliser mes PV pour faire l'endurance. Il me semble que cette partie-là, j'avais déjà lu, donc c'était peut-être dans le mode speedrun avant et ils l'ont séparé, je sais plus. Je sais plus, on en est à 72%, donc on est pas mal loin. D'ailleurs, j'ai dit comme si c'était la fin de la série, mais j'ai dit aussi, je m'y tiendrai, on va au moins faire ces trois niveaux point d'exclamation. Et puis après, on verra si on va chercher toutes les cassettes, tous les fruits. On verra ça. Ça manque pas mal et j'ai aucune idée de où ça peut être. Donc on verra, je regarderai les succès si ça a l'air de dire il n'y a que les fruits et les cassettes à récupérer. Peut-être qu'on le fera avec. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain, on fera gourmand. Je pense qu'on passera un petit coup à la taverne Funky. Redire bonjour à tout le monde. Si, il y a les chats aussi. Il y a les chats et les chiens dans la taverne Funky à récupérer. Tant qu'on y est. Voilà, la cave est vide. On boit, tout va bien. Mais la cave est vide. Je voulais demander à boire Ross là. Allez, que. Non, Hawk Ross. Il n'y a que ces deux. Peut-être que le troisième se débloque. Comment dire? Peut-être que le troisième se débloque quand on a 100% le jeu ou quand on a fait un certain temps en speedrun ou avec un succès en particulier. Bon, tant qu'on est là, on peut lire les textes, mais je quitte. Je suis fier de toi, mon garçon. Tu n'es pas seulement un bon joueur de baseball, tu es aussi un héros. Merci, papa. Je suis content de t'avoir retrouvé. Attends que maman te voit. Elle en croira pas. Ses yeux. Ma mère a toujours été une forte tête. Elle va sûrement me le reprocher pour les 7 prochaines années. Où est-ce qu'on a vu? Ouais, il me semble qu'on a vu un. Ouf, on avait forcément vu. Je pense qu'on avait vu tout le monde, peut-être pas Ace. Merci de m'avoir donné une seconde chance, Rayo. Comptez sur moi. Même si je pense que j'ai juste eu une. Chance cette fois. La prochaine fois, je gagnerai. C'est sûr. Que j'ai pas perdu la tête, t'inquiète pas. Voilà, je sais pas si on avait vu tout le monde, mais ça va être un peu de tout relire. Il nous manque que 4 musiques, mais bon, on les a entendues dans le jeu. À bientôt.